Bonjour et bienvenue sur Bassin TV. Nous nous trouvons aujourd'hui, samedi matin 24 avril, sur le parking d'Auchan Biganos, où se déroule le forum des jobs d'été. On vous amène vous expliquer tout ça. Maggie Soulet, bonjour. En tant que responsable des ressources humaines d'Auchan Biganos, vous organisez aujourd'hui le job dating parmi d'autres collègues à vous. Quel est le but de ce forum justement ? Alors bonjour Christophe, oui alors le but de ce recrutement et de ce forum aujourd'hui c'est de pouvoir toucher le maximum de la population de nos jeunes aux alentours de Biganos. Donc on est passé à travers le site Facebook pour pouvoir recruter. Pendant la période d'été, juillet-août, on a une très forte activité. Donc on recherche énormément de collaborateurs, environ une trentaine de collaborateurs pour pouvoir remplacer. Parce qu'on octroie bien entendu des CP à nos collaborateurs. Il faut qu'ils puissent aller se reposer. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est de recruter des jeunes des environs, mais pas que. Aussi éventuellement des personnes qui sont à recherche d'emploi et qui pourraient postuler et chez nous sur la période d'été et qui pourraient se révéler finalement être des potentiels à embaucher pour un peu à plus la tard. Suite. D'accord. Voilà, alors on exactement. Parle de jeunes, mais il n'y a peut-être pas que des jeunes qui vont postuler. Je pense que c'est ouvert au large public ou pas ? Ah oui, toute population. Alors peut-être que les gens, quand on parle de job dating, entendent peut-être certainement effectivement des jeunes. Jeunes saisonniers. Mais voilà, on a des personnes tout à l'heure qui sont présentées d'un âge un petit peu plus mûr, on va dire. Et il n'y a pas de souci, on prend les personnes, on les reçoit et on fait des tests. Et là-dessus, on n'a pas du tout de critères d'âge. Le seul critère d'âge qu'on a, effectivement, c'est qu'on veut qu'ils soient majeurs, parce qu'on a des restrictions avec les contraintes horaires, le fait qu'on ne peut pas les mettre en caisse avec l'argent et ainsi de suite, trop de contraintes. Voilà, donc du coup, on demande à ce qu'ils aient au moins 18 ans. Voilà. Alors, l'annonce a été faite au préalable, les jours précédents. Il y a combien d'inscrits pour combien de places ? Alors, on a une trentaine de places de disponibles à peu près et on a plus de 70 inscrits. D'accord. Et on a aussi des gens qui viennent, qui se présentent parce qu'ils ont vu le chapiteau et entendu parler qu'il y avait le recrutement et qui viennent voir si éventuellement ils peuvent être reçus. Et on les reçoit quand on a un petit créneau de disponible. On prend la peine de les recevoir. D'accord, parce que je crois que c'est important de le préciser. Aujourd'hui, il y a un forum, c'est dédié vraiment au recrutement pour les jobs d'été. Mais vous recrutez toute l'année et il y a une demande permanente, c'est bien ça ? Oui, exactement. On est toujours en recherche de collaborateurs. Là aussi, on va avoir la période à un moment donné où il va y avoir les désistements de nos collaborateurs aujourd'hui qui sont en CDI étudiants, qui travaillent le samedi ou le dimanche. Ouais. On va se retrouver avec des besoins encore en septembre. Donc on en profite pour recruter aujourd'hui sur ce sujet-là. Mais aussi, peut-être qu'en septembre, on sera encore en recherche. Mais même pour des emplois CDI, pour des collaborateurs, forcément, il y a un turnover dans les magasins. Ouais. Voilà. Et vous n'avez pas été touché finalement par ce confinement puisqu'il intervient, on imagine qu'on va déconfiner progressivement à partir de mi-mai, donc pour la saison estivale tout va se dérouler normalement. Vous êtes optimiste sur ce point-là ? Oui, on ose espérer. Autant l'année dernière, on a bien galéré pour les recrutements parce que c'était quand même très très compliqué. Il fallait organiser ça différemment et ainsi de suite. Là, cette année, là, je pense que c'est plutôt facilitant. Et puis, j'ose espérer qu'on va sortir de tout ça définitivement et que voilà, on pourra un peu tourner la page de la Covid. Gaspard, bonjour. Bonjour. Alors, tu t'es présenté spontanément afin d'obtenir un job pour cet été ? Oui. Au Champ Biganos, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? J'ai besoin de faire un job pour me diversifier, pour trouver, pour trouver de l'argent pour pouvoir m'acheter ma voiture déjà. Ouais. Et pour... mon bac pro n'est pas du tout là-dedans et j'aimerais bien changer un peu... De branche. Voilà. C'est quoi comme bac pro que tu fais ? Service à la personne et au territoire. D'accord, ok. Et donc là, aujourd'hui, tu as postulé pour un secteur en particulier chez Auchan ? N'importe lequel. Quel que soient les horaires ou le secteur, tu es volontaire. Oui, c'est ça. Mais c'est bien, on t'en félicite, pardon. Oui. Écoute, on te souhaite une bonne continuation et on croise les doigts pour toi. Oui, merci beaucoup. Pas de raison. Bonjour Léa. Bonjour. Alors, tu as donc postulé pour les jobs d'été à Auchan aujourd'hui, Biganos. Oui, exactement, oui. D'accord, c'est la première fois ? Non, j'ai déjà postulé pour la boulangerie. Ouais. J'ai travaillé au département boulangerie en 2018. D'accord. Ça s'est très bien passé. Ouais. Et donc, tu as décidé de revenir retrouver des équipes chaleureuses. Une nouvelle expérience parce que je voulais faire employé commercial cette fois-ci. D'accord. Voilà, donc... Parce qu'en parallèle, tu fais tes études ? Comment ça se passe ? Oui, alors je suis à Bordeaux-Montaigne. Je fais un master en management de projets transfrontaliers et internationaux. D'accord, dans le but de devenir chargée de projet européen. D'accord, félicitations. Merci. Et donc l'été, il faut travailler, il faut faire de l'argent et rester actif. Et donc tu es volontaire et c'est bien, on t'en félicite. Merci. Écoute, on croise les doigts pour ton recrutement. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, ouais. mais...
Voilà, on croise les doigts pour toi et merci beaucoup, Léa. Bonne continuation. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, si vous avez loupé le coche pour vous inscrire au job dating du samedi 24 avril à Auchan-Biganos, ce n'est pas grave puisqu'ils recrutent toute l'année sur motivation. Bassin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bassin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.